Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Avant de lancer la présentation, j'ai beaucoup de choses à te dire. Alors déjà, comme d'habitude, rejoins-moi sur mon compte Twitch. On est déjà plus de 900, je parle de manga, animé, on fait des jeux, on a des discussions en lien avec les animés, on se couche tard, c'est grave lourd, alors viens mon gars. Ensuite, j'hésite à faire une vidéo tournoi animé shoujo, waifu ou autre. Donc je vais mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Et toi, tu mettras quel tournoi tu voudrais que je te concocte. Ensuite, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux si tu veux parler d'animé. Comme je suis en vacances, j'aurai largement plus de temps pour te répondre. Donc tous les liens sont en description. Je pense que j'ai tout dit. Sur ce, let's go! Black Cat, cela fait maintenant 2 ans que le légendaire tueur à gages Black Cat a disparu de la circulation. Celui-ci est célèbre pour avoir réussi à devenir l'un des meilleurs tueurs en série du monde. Son nom est synonyme de malheur. Celui-ci aura pour mission un beau jour de tuer une jeune fille considérée comme étant une arme pouvant provoquer de nombreuses morts si elle vient malencontreusement à être contrôlée par des gens mal intentionnés. Cependant, notre Black Cat ne sera pas le seul sur l'affaire. En effet, il fera la rencontre du poteau Sven Wolfhid. Celui-ci est un chasseur de primes ayant pour mission de capturer cette jeune fille tout en la laissant en vie. Logiquement, tu l'auras compris, mais nos deux jeunes protagonistes vont avoir un conflit d'intérêts et nos deux jeunes talents du combat vont tôt ou tard s'affronter. Nous suivrons ainsi nos deux jeunes hommes dans la réalisation de leur mission chacun. Cet animé est vraiment pas mal. Tu auras plusieurs personnages qui vont agir de leur côté et toi, tu devras te ranger du côté de l'un ou de l'autre. Donc choisir quelle réponse à cette question de capturer une fille ultra dangereuse est la plus adaptée selon toi. Faut-il la tuer ou au contraire l'éduquer? Ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu auras une partie fantastique. En effet, notre Sven, lui, aura un pouvoir en lien avec le temps. Je vais pas t'en dire plus, vous me dites tout le temps que je spoil trop dans mes résumés, mais tu seras ultra étonné quand tu verras la portée du pouvoir de notre héros. Je pense que tu te diras qu'avec, personne ne devrait être en mesure de l'éliminer. Le mec est selon moi intouchable avec ce dernier. Je vois pas comment il pourrait perdre un combat ou autre. T'auras vraiment beaucoup de personnes se tuant, se blessant, se manipulant. Donc si t'es pas fan de ce genre, ne le regarde pas. Si t'es aussi très jeune, je t'invite à passer cette présentation pour écouter une autre. Parce que tu verras dans cet animé des choses pas très catholiques. Si tu veux un animé par contre adulte et pas super compliqué à comprendre, fonce le regarder, tu vas t'enjailler comme jamais en le visionnant mon gars. Maoyu Maoyusha. Si je te disais que dans cette série, les personnages voient la guerre comme étant à première vue une bonne chose pour la population. C'est illogique, pas vrai? Nous serons envoyés dans un univers décimé par la guerre. Deux clans s'affrontent, les êtres humains et les démons. Un beau jour, un héros va rencontrer le roi démon dans le but de le vaincre et ainsi finir cette guerre meurtrière. Cependant, à son grand étonnement, il va rencontrer une femme de toute beauté lui proposant quelque chose. Devine quoi? Et oui, t'as trouvé, elle va tout simplement lui demander de sortir avec lui. Notre héros, après moult et moult questions, va finalement accepter et alors leur aventure pour allier les humains et les démons va débuter. Alors cet animé m'a grave plu par son originalité. C'est la première fois que je vois une telle réflexion dans un animé de ce genre. C'est comme si je pensais regarder un animé banal et que d'un coup on te balance des concepts idéologiques sans que tu t'y attendes. J'ai énormément négligé cet animé, mais la critique que nous propose l'auteur dedans est ultra intéressante. En bref, il nous dit que la guerre à un certain angle apporte des choses positives pour certains et que seulement avoir un vainqueur à la fin ne va pas résoudre le problème de base. En résumé, ce n'est pas parce que tu as gagné une guerre que tu as résolu le problème qui l'a déclenché. Il nous propose ainsi d'allier les deux adversaires plutôt que de les faire se battre en souhaitant que son camp favori sorte vainqueur. Or, c'est vrai que dans beaucoup d'animés fantastiques, on a un méchant et des gentils et on veut qu'une chose, que le gentil batte le méchant, faisant logiquement venir la paix après le combat. Or, ici, on nous propose une solution complètement opposée à ce qu'on voit d'habitude. Donc tu verras que le développement de cet animé sera assez intéressant à regarder. Alors si tu kiffes regarder des animés où tout n'est pas binaire, fonce le regarder, tu risques d'énormément kiffer le voir.
Roka no Yusha, il y a 1000 ans, un terrible malheur s'est abattu sur notre belle planète Terre. Tout a été fait pour l'éliminer, mais seule la sainte de la fleur unique a réussi à l'éloigner pour une durée indéterminée. Afin de pouvoir protéger la population du possible et incertain retour de ce mal, elle a nommé 6 personnes choisies pour le détruire. Nous allons marcher sur les traces d'Adette Meyer, un jeune garçon qui crie sur tous les toits qu'il est l'homme le plus fort du monde. Ce dernier s'amuse à fumer tous les guerriers qui croisent sa route pour montrer sa force. Notre héros est sûr qu'il sera choisi par la déesse pour détruire le terrible mal qui viendra s'abattre dans son monde et se prépare tant bien que mal. Nous allons ainsi le voir dans sa lutte pour affronter ce terrible mal accompagné de ses coéquipiers choisis par la sainte à la fleur unique. Dans ce monde où les démons peuvent apparaître à tout moment pour te tuer. Alors j'ai vraiment kiffé cet animé. Déjà pour le chara-design du héros qui est vraiment pas mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un héros avec un style un peu ancien qui peut nous rappeler l'époque des Incas avec son petit poncho. C'est assez original de voir ce style. Et surtout de ne pas être dans un animé qui se déroule dans un univers similaire au nôtre. Ensuite, forcément, le caractère du héros. Je kiffe les héros qui n'ont pas peur de crier haut et fort que c'est eux les meilleurs et qu'il n'y a personne qui peut leur arriver à la cheville. Certains pourraient être saoulés par ce genre d'attitude, mais perso, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup de héros pas trop sûrs d'eux ou qui sont trop modestes. Au bout d'un moment, avoir un héros qui est sûr de ses capacités et qui n'hésite pas à dire que c'est lui le numéro 1, ça change. Concernant les combats, les animations sont pas mal. Bon, tu vas voir un peu de CGI quand tu verras les monstres arriver pour affronter notre équipe, mais à part ça, ça sera pas trop dérangeant à regarder. Donc n'aie pas peur et va le voir, tu vas kiffer comme jamais mon gars. Bungo Stray Dogs, nous suivrons le quotidien de Nakajima Atsushi, un adolescent qui a une toute petite particularité. Celui-ci peut juste, à certains moments, se transformer en tigre et dévaster tout sur son chemin. Un beau jour, notre héros va faire la rencontre d'un membre d'une organisation de détectives qui va le prendre sous son aile. Il rencontrera alors une ribambelle de personnes ayant tout comme lui des capacités incroyables. Cependant, notre petit Atsushi va remarquer qu'il sera recherché par des personnes voulant le capturer pour diverses et variées raisons. Alors cet animé que j'ai enfin regardé, car c'est vous la communauté qui me l'avait proposé, m'a au début pas trop plu, que ce soit dans le chara-design des personnages ou dans la mentalité de notre héros principal. Bon, je sais que j'en énervais pas mal d'entre vous, mais j'avais envie de gifler le personnage principal. J'ai trouvé que certes, notre héros avait un vécu assez dur, mais pendant quasi les deux premières saisons, il ne faisait que pleurer sur son sort. Je hais ce genre de héros qui chiale éternellement. C'est comme si tu voyais Trunks du futur alternatif de Dragon Ball Z et que tu le voyais à chaque fois pleurer parce qu'il a perdu toute sa famille et ses amis et qu'il est dans un univers où la discorde a élu domicile. Je suis ok pour qu'il se lamente deux ou trois fois, mais pendant deux saisons, c'est trop. Mais ce qui m'a fait kiffer cet animé, c'est justement tous les autres membres de l'organisation qui vont aider notre héros. Ils sont tous avec un caractère bien distinct, dont un qui dispose d'une intelligence énorme, ainsi qu'un pouvoir ultra cheaté. J'ai aussi aimé le délire de voir plusieurs organisations s'affronter pour un seul et même but. Et pour finir, les différents pouvoirs que tu verras dans cet animé seront tous intéressants et ultra bien utilisés. Alors si tu passes le fait que le héros est trop pleureur selon moi, fonce le voir, tu vas kiffer cet animé. Zeta et Karen Children, The Unlimited. Nous sommes dans un univers où près de 5% des êtres vivants sont dotés de pouvoirs, les faisant devenir des espères. Ces personnes sont discriminées par la population et pour certains sont même vues comme étant des monstres. Nous suivons les aventures d'un groupe de criminels composé à 100% d'espères. Ces derniers semblent lutter contre l'ordre mondial et sont vus à l'extérieur comme étant des meurtriers en tout genre. Cependant, ils semblent en effet montrer le contraire quand on analyse leurs actions. Dans ces criminels, nous suivrons un nouvel adhérent qui découvrira les actes et plans de notre organisation pas si criminelle que ça. Alors cet animé m'a au début fait penser à un vulgaire animé d'espère normal. On a le synopsis de base de ce genre d'animé. Des espères qui sont dans un monde dans lequel l'être te fait devenir une victime de racisme. Je pensais que ce serait vraiment ce genre d'animé qui nous rapporte tous la même idéologie. Cependant, dans celui-ci, pas vraiment. En réalité, on suivrait une organisation ultra développée dirigée par un gars qui combat la discrimination envers les espères, mais qui la combat assez bizarrement. En effet, dans l'organisation dans laquelle on sera envoyé, tu remarqueras que nos héros n'auront pas peur de tuer des centaines de gens au calme juste parce qu'ils sont convaincus d'avoir raison. T'en iras même jusqu'à te poser une question. Je comprends la situation, certains êtres humains sont discriminés donc ils se battent pour tenter de montrer au monde leur souffrance. Mais tuer des gens, est-ce le meilleur moyen de les manifester? Et c'est à partir de ce moment-là que tu kifferas l'animé.
Tu te demanderas si finalement ce sont vraiment des bonnes personnes qui semblent faire des bonnes actions mais qui les font de la mauvaise manière. C'est comme si tu remarquais en regardant One Piece que oui, Luffy fait des bonnes choses mais qu'il tue ses ennemis, qu'il provoque des batailles et amène des centaines de morts. Mais comme c'est les ennemis, c'est ok. Tu vois ce que je veux dire? Bah là ce sera un peu pareil. Donc j'ai bien apprécié cette petite problématique. Alors si toi aussi ce genre d'animé te fait kiffer, va le voir tout de suite, tu vas kiffer comme jamais mon gars. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire, quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss, et à la prochaine.